Vous écoutez Planète Horizon, toujours en compagnie de Sébastien Boucher. Et oui, c'est l'heure de l'entrevue du jour. J'accueille David Pelletier et Tania Langlois en studio. Ce sont nos deux groupes de musique. Bonjour David. Salut mon cher, ça va bien? Salut. Vous allez bien les deux? Ben oui, merci. Très belle année qui s'annonce pour vous. Là, c'est un troisième album. Vous avez décidé de vous relancer dans la confection d'albums. Et d'enfants. Et d'enfants également. Les deux. Les derniers, c'est des jumeaux? Ouais. Oui. Et là, ça vous en fait combien? Quatre! Je m'en allais dire trop, mais c'est chiant. Ben, tiens, tout d'abord, parlez-moi de votre couple. Comment ça a commencé? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et une pouponnière d'enfants comme ça, c'est sûrement parce que ça va bien. Oui, très bien. Après quoi? 12 ans? 12 ans de vie commune. Ouais. On s'est rencontrés au cégep en comédie musicale à Sainte-Thérèse, Lionel Groulx. Ah, Lionel Groulx, je suis allé au même cégep. Ah ouais? Mais oui. On était peut-être en même temps. Ouais, peut-être. On a fait de la comédie musicale. Imaginez David en collant, faire du ballet. J'adorais. Puis sinon, ben c'est ça, on était amis à cette époque-là. Puis finalement... On s'est croisés dans un show. On était pris dans le même spectacle. Puis là, ben, je l'ai gossé pendant 9 mois. Elle a fini par dire oui. Ça a bien fonctionné. Ce sera un troisième album en carrière pour vous déjà. Les deux premiers, ça date déjà un petit peu. Ouais. Oui, le dernier 2013. Puis le premier, c'était en 2008. Ouais. Ah, puis vous aviez connu quand même un succès dans la région. Bien, David, toi, tu es originaire de Rivière-Bleue. Oui, oui. Notamment. Et on a pu te voir à différents endroits. Là. Je vais mentionner ça aux gens. Tu avais eu un rôle dans Yamaska il y a quelques années. Et là, on t'a vu plus récemment dans Les Braqueurs. Oui, c'est un petit rôle d'un braqueur que j'ai fait l'an dernier. Ce qui était drôle, c'est que j'avais une belle moustache puis des favoris. J'avais l'air d'un vrai gars des années 70. Mais c'était une émission, là, une reconstitution policière. Puis j'ai travaillé avec un policier. Puis on a tenu des guns. Puis j'ai eu bien du plaisir comme le un petit gamin. Le garçon en toi, ouais, hein, c'est ça. À faire ça. C'est une belle expérience. Oui, c'est drôle. On t'avait vu également dans La Petite Séduction, la fois où c'était un spécial pour Jérôme Couture. Ouais, et ça s'était passé justement à Rivière-Bleue. Et t'avais joué de la musique cette fois-là à l'émission. J'avais fait une chanson de Cabrel. Puis c'était un moment d'émotion, dans le fond, puis j'avais réussi à le faire pleurer, j'étais bien content. C'était oui. Ton but. Faire pleurer Jérôme. Il fallait que Jérôme se rappelle de la région, je pense que c'est mission accomplie. Ouais, ouais. Les émotions, puis d'ailleurs, Jérôme qui revient souvent dans la région, il signe qu'il a aimé ça, là. Puis je pense qu'il est là cet été, justement, au Bootlegger, hein, exact. Je me trompe pas. Hein. Ben lui, vraiment, là, c'est ça. Ça a l'air que ça a été un coup de cœur pour Jérôme Couture, et je suis sûr, David, que t'as un rapport là-dedans. Alors, des jumeaux l'automne dernier, la famille qui s'agrandit, nouvel album cette année, coudonc. La vie va bien. Oui. Ça va oui, vite. Ça va occuper. Très occupé. Oui, mais le dernier album s'appelait Occupé, tu sais, puis on avait juste un enfant. On s'est dit, on pourrait l'appeler celle-là Très Occupé. Très, très, très. On est rendu à 4. Entre deux albums, on fait 3 enfants. Il ne faudrait pas en faire 3 autres. Mais l'album s'appelle comment? Laisse aller. Ouais. Laisse aller. Ouais. Ouais. Justement, tu sais, avec 4 enfants, faut-tu laisser aller des affaires? À un moment donné, on finit par apprendre sur le tas. T'as pas le choix. Si tu veux garder ta santé mentale, faut-tu laisser aller. Ben, félicitations pour vos beaux projets et tout ce qui s'amorce pour vous cette année. Et là, vous êtes venu en studio avec un instrument. Je vois que David a sa guitare. Vous êtes prêt pour nous interpréter? Là, on disait une, mais peut-être 2 chansons aujourd'hui? Ça dépend. S'il y a du temps d'antenne, on en faire 2. On a le temps, on a le temps. On va commencer, David, présente-nous la première que vous allez nous jouer. On va faire Comme tout le monde, la chanson qu'on a lancée en extrait radio, justement. Ouais. Petite version acoustique. Version live. Alors, allez-y, c'est quand vous voulez. Faire croire les mêmes histoires, tous le même reflet dans le miroir, vivre toujours comme tout le monde, les mêmes secondes, pris dans une course contre la montre, chacun seul face à son sort, souhaite arriver à bon port. À bout de rame, à contre-courant, porter nos âmes. Contre les vents, garder la flamme. Comme tout le monde, on prie et espère. Un peu comme tout le monde, on prie et espère que la vie sera douce pour soi. C'est ça.
sa trace sur terre, avancer sans porter sa croix. Un peu comme tout le monde. Part au petit matin pour combler ses besoins. On se recouche encore incertain, chacun seul face à son sort. Souhaite arriver à bon port, naviguant tous à bout de rame, à contre-coup. Emporter nos âmes. Comme tout le monde, on prie et espère. Un peu comme tout le monde, on prie et espère que la vie sera douce pour soi. On veut laisser sa trace sur terre. Et on veut laisser sa trace sur terre. Avancer sans porter sa croix. Sur terre, avancer sans porter sa croix. Comme tout le monde, 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 un peu comme tout le monde. Oh, bravo! Et on voit aussi une belle complicité entre vous deux. Je voyais certains regards que vous lanciez pendant la chanson. Hein? Des amoureux qui font de la musique. C'est tout comme, fais attention à tes lunettes. Ah, oui, trompe-toi pas. Donc, trompe-toi pas, sinon tu vas le payer cher. Ben d'accord, présentez-nous la prochaine. Vous allez en jouer une autre? Oui. Ben, ça serait laquelle? Ça s'appelle « C'est ici ». Une idée spéciale ce matin. J'ai dit « David, on fait « C'est ici ». Puis raconte pourquoi, David. Ben quand il y a eu le centième de Rivière-Blue, j'avais fait une chanson pour le centième qui était... plus up la vie un peu. Puis j'avais fait aussi une autre version plus personnelle, je dirais. Nostalgique. Ben, nostalgique, ouais. Plus personnelle, mais ça reflète la réalité là, des régions qui se vident, comme on disait tantôt. Puis moi, je reviens souvent dans mon village natal, puis c'est toujours comme... c'est ici que je suis né, c'est important, c'est de là que je viens, c'est mes racines, un peu comme n'importe qui s'exode, tu sais, qui le sentiment qui revient quand on est de retour à la maison. Excellent. Bien, je vous remercie pour votre temps en studio. On va se laisser sur cette deuxième chanson que vous nous interprétez. Merci aussi, Tania. Merci, Sébastien. Ça fait grand plaisir. Alors, je vous laisse interpréter ça. J'écoute, moi, les oreilles attentives. Parfait. On peut plugger notre site Internet. Nos2.com. Facebook aussi. Oui. Je profite de l'intro, tu sais. Nos2.com. Et je suis parti à quelques heures de mon pays. Moi, l'ado, le sac à dos et le pouce levé bien haut. Un coup de dé dans le destin, il a fallu que je vise moi des kilomètres qui passé, comme les souvenirs, et à présent me rappeler que c'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai rêvé et choisi de m'évader, rempli d'innocence, de mon lit j'ai sauté. La
chance. Loin d'ici, j'ai trouvé la femme de ma vie. Aujourd'hui, je réalise pourquoi je devais m'en aller. Un coup de vieux, je me retourne, je m'ennuie de grand-père. Quand on jouait dans ses manteaux, pour s'en faire un lit, où jouer les héros, dans ce parfum de famille, bien au chaud. C'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai rêvé et choisi. De mon lit j'ai sauté, c'est ici. Ba-da-da-da-ba-ba-ba. 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 Merci. Nos deux, mesdames et messieurs, au 95.5 FM.